tout le monde. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau combat fictif, Itachi Uchiwa versus Obito Uchiwa. C'est un débat qui divise beaucoup la communauté et vous avez été nombreux à me demander mon avis là-dessus, donc voilà, on y est. Pour l'occasion, je serai accompagné du poteau FR qui a accepté de faire ce versus en collab. Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, on va opposer différentes versions des personnages et les faire s'affronter dans un combat à mort. Mais allez, vous connaissez le topo, donc sur ce Commençons. Bon du coup les potes, on attaque ce premier round Itachi vivant contre Obito Masque Orange, soit celui qu'on voit dans la majorité de Shippuden et qui se fait passer pour Madara, bref vous le connaissez. Et avant d'attaquer le match-up, c'est toujours intéressant de situer les deux persos sur l'échelle de puissance du manga, parce que quand on regarde bien, ces versions d'Itachi et Obito ont finalement pas montré grand-chose. Obito il reste dans l'ombre quasi tout le temps et Itachi est littéralement jamais à fond. Donc commencer par les scales va être pas mal utile. Du coup je propose qu'on commence par Itachi, parce qu'en vrai j'ai été méga étonné de voir le nombre de... gens qu'il sous-estime. Genre dans ma vidéo Jiraya versus Itachi, plein de gens disaient qu'Itachi pourrait rien faire contre Jiraya, comme s'il était tout juste de niveau sanine voire inférieur. Et en vrai, je pense que les gens qui pensent ça, ils se basent sur le passage où Kizame et Itachi diraient soi-disant qu'ils ne pourraient pas gagner en 2v1 contre Jiraya. Sauf que je vous mettrai le scan au montage dans la traduction officielle, et en fait, Kizame, il dit juste qu'il sait pas si lui, il serait capable de l'affronter, mais il dit carrément qu'Itachi est sans doute de taille à se le prendre, et c'est Itachi lui-même qui insiste pour éviter le combat. D'ailleurs, quand ils finissent par rencontrer Jiraya, Kizame il est vraiment chaud de se battre et c'est Hitachi qui dit qu'il vaut mieux s'arrêter là. Et aujourd'hui qu'on sait qu'Itachi et Jiraya étaient dans le même camp, ça fait sens et on comprend mieux la surprise de Kizame de voir Itachi préférer fuir pour soi-disant reposer ses pupilles. Et de toute façon, concrètement, on sait que Jiraya et Orochimaru sont à minima dans le même tiers de puissance et pourtant dans le même arc où Itachi admet soi-disant son infériorité sur Jiraya, Orochimaru reconnaît lui-même qu'Itachi est bien plus fort que lui. Et ça, ce sera largement... Confirmé plus tard, quand on verra un Itachi d'environ 13 ans prendre Orochimaru dans son Genjutsu et le martyriser, ou encore après, quand il le découpera sans pression dans sa forme Yamata. Et encore une fois, on sait que cet Orochimaru et Jiraya sont à minima comparables, donc bon, ça devrait être assez clair. D'ailleurs, on peut ajouter qu'Orochimaru et Hiruzen vieux sont eux aussi comparables et comparés, que ce soit dans le manga ou dans les databooks. Et je rappelle que Hiruzen était considéré comme le kage le plus puissant, même si bon, honnêtement, c'est discutable, mais la supériorité théorique d'Itachi sur les autres kage me paraît. Aussi assez cohérente. Pour confirmer cette idée, on peut notamment parler du combat Sasuke Mangekyu Sharingan contre les Kage au sommet, parce qu'en fait c'est assez pertinent pour scale Itachi vivant. Oui, effectivement, lors du Conseil des 5 Kage, Sasuke Mangekyu Sharingan fait jeu égal avec le 4ème Raikage. Or, nous savons que le Sasuke contre le Raikage est moins fort que le Sasuke qui affronte Danzo. On le voit sur la manifestation d'un Suzano beaucoup plus puissant et qu'il maîtrise beaucoup mieux son Mangekyu Sharingan. Donc ce Sasuke est très probablement plus fort que n'importe le lequel des 5 kage. Pourtant, nous avons une information officielle qui nous dit que Sasuke a dépassé son frère seulement après avoir éveillé son éternel Mangekyu Sharingan. Donc Itachi se situe dans un tiers intermédiaire entre Sasuke Mangekyu Sharingan et Sasuke éternel Mangekyu Sharingan. Même si personnellement, selon moi, il serait plus proche de Sasuke éternel Mangeku Sharingan. Ouais, Itachi vivant, ouais, effectivement. Et pour confirmer ça, on peut se référer au Genjutsu d'ailleurs. Déjà Kishimoto il montre bien que les illusions de Sasuke sont comparables à à celle de son frère qu'après avoir obtenu le Mangekyo Sharingan éternel, notamment dans le combat contre Kabuto où leurs capacités en Genjutsu sont mises en parallèle, et ensuite c'est une idée confirmée par Danzo qui dit bien qu'il y a une abîme qui sépare Sasuke Mangekyo Sharingan et Hitachi en matière de Genjutsu. Dernier petit élément pour Scale Hitachi vivant, on voit bien qu'il combat facilement Bi et Naruto KCM en Tensei, soit a priori nerf physiquement en tout cas par rapport à son prime, et seulement avec son Sharingan à 3 Tomoe, il réagit à Killer Bi et Naruto KCM sans... Alors que Naruto KCM se dit lui-même bien plus puissant qu'un Modernmite, ce qui confirme ce qu'on disait sur le fait qu'Itachi est largement au-dessus du niveau Sanin. Et pour confirmer que Itachi scale au-dessus du niveau Sanin, on peut aussi prendre l'exemple de Naruto et sa comparaison avec Sasuke juste après son combat contre Danzo. Déjà dans un premier temps, il est indirectement affirmé que Naruto modermite est plus puissant que Jiraya par Fukazaku. On voit bien que celui-ci fait une meilleure prestation que Jiraya contre les six corps de Pain. Naruto Modern est aussi moins fort que Naruto KSM1 et selon Naruto il a besoin du chakra de Kyubi donc le KSM1 pour juste espérer rivaliser avec Sasuke Mangekyu Sharingan. Or comme dit précédemment ce Sasuke est moins fort que Itachi. Cela confirme bien que Itachi est bien au-dessus du niveau Sanin. Ouais bah d'ailleurs ça fait une bonne transition pour parler du vrai niveau d'Obito masque orange vu que justement c'est lui qui encourage Sasuke à se greffer les yeux de son frère pour développer le Mangekyu Sharingan éternel donc c'est bien qu'il était assez serein. Effectivement Obito n'a absolument aucune peur à faire éveiller Sasuke à son éternel Mangekyu Sharingan. Et je dis peur car tout simplement, Sasuke dit bien que les deux ne sont plus alliés et que celui-ci peut l'attaquer à n'importe quel moment, comme nous l'avons vu quelques chapitres avant. Donc pour que Obito soit aussi confiant, cela implique qu'il soit à minima du même tiers que Sasuke, éternel Mangekyu Sharingan, ce qui le placerait au-dessus de Itachi. Et on peut aussi confirmer la supériorité de Obito à Itachi grâce à Pain. Dans un premier temps, Minato qualifie Obito comme étant plus dangereux que Payne. Et Obito dit que même si Sasuke devient plus puissant que Payne, il n'échappera pas à son contrôle. Certes, ces deux scènes ne parlent pas directement de puissance, mais le mettre deux fois et en plus la première fois cela parlait juste de Obito 14 ans, franchement ça l'insinue grandement. Donc Obito serait aussi à minima dans le même tir que Payne ou alors plus fort. Sachant que Pain est considéré comme plus fort que Itachi. Donc avec ces deux exemples, on peut voir le niveau scénaristique de Obito supérieur à celui de Hitachi. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, je pense qu'on peut parler de la fameuse phrase d'Obito qui dit que si Itachi connaissait son secret, il serait dead. Alors, on en a déjà tous les deux parlé sur nos chaînes, mais pour nous, ça fait pas du tout référence à un combat en 1v1. Obito, il savait qu'Itachi était toujours un espion pour Konoha. Ce qu'Itachi savait pas, hein, vu qu'il est surpris que Naruto le sache quand il revient en Edo Tensei. Du coup, si Obito lui avait parlé de son plan œil de lune et qu'Itachi avait prévenu Konoha, l'alliance shinobi aurait été formée bien plus tôt, à un moment où Obito était pas du tout prêt pour entrer en guerre. Oui, clairement, cette scène ne parlait pas. Pas de invest impur, puisque quelques chapitres avant, Itachi avoue son infériorité vis-à-vis -vis de Obito, en disant qu'il surpasserait Madara, donc Obito, seulement si celui-ci éveillerait le éternel Mangekyu Sharingan. Itachi le considère carrément comme son maître et que ses exploits sont exceptionnels. Pour confirmer cela, Itachi a besoin de attaquer en traître Obito pour essayer de le tuer, ou encore contre Kabuto quand Kabuto avait invoqué toute la Katsuki dont Itachi. Obito n'a absolument aucune peur et met toujours un coup de pression à. Kabuto, et Obito est toujours chaud pour se battre. Ouais, effectivement, bien vu, ouais. Du coup, je te propose qu'on passe à la vitesse et au temps de réaction pour voir comment les deux s'en sortent à ce niveau-là, parce qu'en vrai, ce sera super important pour la suite du combat. Et là-dessus, déjà, on peut dire qu'Itachi, il est plutôt chaud, vu qu'il arrive quand même à bloquer Kirin avec son Susanoo alors qu'il est à moitié mort et aveugle. Pareil, on disait tout à l'heure qu'il était plus puissant que Sasuke Mangekyo Sharingan, et pourtant, ce Sasuke arrive à réagir au Raikage et son armure de chakra avec un Sharingan de base, et il bloque même plusieurs de ses attaques en utilisant son Mangekyo. Gekkyo quand le Raikage utilise son armure de chakra Raiton pleine puissance, donc logiquement, Itachi non malade devrait aussi largement en être capable. Ensuite, on le disait mais en Edo Tensei, Itachi réagit à Naruto KCM et Killer Bee, là aussi avec son Sharingan de base, donc c'est franchement un monstre en temps de réaction et en vitesse. Mais bon, de son côté, Obito c'est du très 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 solide aussi. Oui, vraiment, en temps de réaction et vitesse, Obito c'est clairement un monstre de puissance. Je rappelle qu'il a sauvé Sasuke du Jinton Donoki alors que la technique était déjà activée. Cela veut dire qu'il a eu le temps de venir dans le Jinton, de prendre Sasuke et puis de l'emmener dans kawui, ce qui est juste une prouesse incroyable. Et après cela, comme si ce n'était pas assez, hein, alors qu'il n'était pas du tout attentif, il a réagi au coup du Raikage sans la moindre difficulté. Alors qu'un mec comme Naruto kcm 1 a dû réessayer plusieurs fois avant de esquiver le coup du Raikage. Ouais, ouais, de ouf. Et d'ailleurs, les gens ne le savent pas forcément, mais on peut aussi parler de comment il réagit à Naruto KCM et kcm 2 sans souci dans sa version masque blanc. Parce que oui, le Rinnegan boost Obito, il dit lui-même avoir reçu une grande quantité de chakra, donc ça augmente ses réserves, son endurance et ça élargit son arsenal de technique, mais il n'y a rien qui prouve que ça le booste physiquement. Au contraire, on sait que la vitesse et la force d'un shinobi dépend de son contrôle sur son chakra et non de la quantité qu'il a. La preuve, Sakura en forme de base met des bien plus grosses mandales que Naruto en forme de base, pourtant ce dernier a évidemment bien plus de chakra qu'elle. Et de toute façon, ça c'est une idée qui est confirmée dès le début du manga dans l'arc Zabuza par Kakashi pendant l'entraînement au contrôle du chakra justement. Et concrètement, dans cet arc, on a un Sasuke qui gagne en vitesse juste en maîtrisant un peu mieux son chakra, et pourtant il n'a pas du tout augmenté ses réserves. Enfin bref, vous avez capté l'idée. Et donc du coup, toutes les perfs d'Obito masque blanc niveau vitesse et temps de réaction seraient les mêmes pour Obito masque orange en principe. Et pour confirmer ça, quand Naruto et Bi ils se battent contre les Jinchuriki, Achibi il explique bien à Bi que si les Jinchuriki arrivent à réagir à toutes leurs attaques, c'est bien parce que leur temps de réaction est boosté par le Sharingan d'Obito. Donc voilà, on l'a vu réagir à Naruto casser. Et KCM2, et même à le suivre en vitesse pure, et même mieux, il arrive à réagir aux bras de chakra de Naruto, qui sont bien plus rapides que Naruto lui-même, et ça c'est confirmé quand Sasuke et lui se font prendre de vitesse par Jubito, mais que Naruto arrive à attraper Minato avant de se faire tuer pour qu'il les TP avec Hiraishin. Donc vraiment, les gens ils se rendent pas compte à quel point Obito c'est un monstre de vitesse. Du coup, maintenant on peut passer aux capacités si tu veux, et je pense qu'on va pas vous faire l'affront de vous présenter les techniques de chacun, on va plutôt voir les interactions entre leurs différentes capacités. Déjà, on commence avec Amaterasu. Et tu le disais plus tôt mais Obito il a déjà survécu à l'Amaterasu grâce à Kamui comme on le devine dans le manga et comme c'est même confirmé dans le databook. donc bon même s'il est touché il y a de bonnes chances pour qu'en fait ça lui fasse rien du tout. Et déjà il faudrait qu'il se fasse toucher, ce qui est pas dit, vu qu'Itachi doit concentrer son chakra dans son œil avant de balancer la technique, et on a vu que par exemple Nagato, qui est un ninja sensoriel l'a senti, et je rappelle que les Sharingan permettent de voir le flux de chakra donc en principe Obito devrait remarquer qu'Itachi prépare le Jutsu. En plus on a vu que c'est possible de réaliser Agir aux flammes noires, le Raikage et Kabuto l'esquive, les Gaara le bloque avec son sable etc. Et même si là on parle de l'Amaterasu de Sasuke, je sais pas trop si on peut affirmer que l'Amaterasu d'Itachi est plus rapide, l'assistant du Raikage si, il dit carrément que Sasuke maîtrise mieux l'Amaterasu qu'Itachi, et même s'il parle sûrement de sa capacité à le contrôler avec Kagutsushi, ça reste intéressant à noter. Alors il y a bien cette fois contre Naruto KCM où Itachi balance ses flammes noires et Naruto semble pas vraiment y réagir, mais en vrai à ce stade Naruto il se laisse encore facilement sur prendre comme quand il panique face au Tensei de Nagato ou encore quand il est impressionné par la vitesse du Raikage alors qu'en réalité en se donnant un peu les moyens, il est en fait bien plus rapide que lui et ça tu le disais tout à l'heure. Donc affirmer que l'Amaterasu d'Itachi est plus rapide que celui de Sasuke juste en nous reposant sur cette interaction avec Naruto KCM, honnêtement, ça me paraît pas super objectif. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi comme c'est dit dans le Book, Kamui peut totalement contrer l'Amaterasu avant même qu'il se fasse toucher et même pendant en fait. Et même sans Kamui, Obito pourrait tout simplement utiliser Izanagi pour s'en sentir et par conséquent il pourrait surprendre Itachi en pensant que celui-ci est mort. Mais même je pense très clairement que Itachi ne pourrait même pas toucher Obito avec Amaterasu car comme tu l'as dit Itachi met du temps avant de lancer Amaterasu en concentrant du chakra dans son oeil Donc soit avec le Sharingan ou alors vu qu'il connaît les capacités de Itachi il pourrait prévoir Amaterasu donc se rendre intangible avant que celui-ci lance Amaterasu. Ouais totalement totalement. Du coup je pense qu'on peut évoquer Totsuka si tu veux. Bon déjà on sait qu'Itachi peut déployer le Susano super rapidement hein, comme face à Kirin on l'a déjà dit, mais en plus en termes de vitesse d'attaque, Totsuka c'est vraiment super impressionnant vu qu'elle prend de vitesse Orochimaru et elle surprend même Edo Nagato, même s'il résistait à l'emprise de Kabuto ce qui implique sans doute qu'il s'est laissé toucher pour être scellé. Donc la vitesse des bras du Susano est colossale, mais on voit que c'est quand même possible d'y réagir comme le fera Kabuto face au Susano de Sasuke ou encore Naruto KCM2 face au Susano de Madara. Et là en vrai pareil, on peut pas savoir si le Susano d'Itachi est plus rapide, rapide que celui de Sasuke ou Madara, mais je vais pas vous mytho, je trouverais vraiment pas ça très logique. Et en plus, on le disait tout à l'heure, mais Obito est largement capable de réagir à Naruto KCM2, donc bon, je vois mal se faire planter par Totsuka dans un affrontement direct. Oui, et juste en parlant du Susanoo en lui-même, déjà, on l'a vu, pour rentrer dans sa forme 3, cela prend du temps, donc durant ce laps de temps, Obito aurait juste à se rendre intangible et à rentrer dans le Susanoo, et Itachi aurait un déplacement très limité au sein du Susanoo, et aurait usé énormément de chakras. Donc si Hitachi n'a aucun moyen de gagner avec le Suzano ou Amaterasu, le seul moyen de Hitachi est le Taijutsu. Cependant, Obito est juste un monstre dans ce domaine. Il rivalise sans problème avec Gai grâce au Sharingan et non le Ringan, ce qui confirme que Obito Ringan en temps de réaction et vitesse est à peu près similaire à Obito Masque Orange. Mais aussi, les gens prennent en argument que Obito n'est pas très bon en Taijutsu car il a perdu contre Kakashi. Déjà, je vous rappelle que ce n'est pas un antifide vu que Kakashi est juste un monstre dans ce domaine, capable lui-même de rivaliser avec Gai, mais aussi Obito n'était pas à fond contre Kakashi car il voulait que Kakashi tout simplement lui transperce le sceau implanté par Madara sur son cœur. Mais aussi le fight se passait dans la dimension Kamui. Donc Obito ne pouvait pas coupler son Taijutsu avec Kamui, ce qui est normalement son style de combat. Donc juste en Taijutsu classique, Obito et Itachi sont globalement du même niveau. Mais honnêtement, Itachi ne pourrait pas tuer Obito avec juste du Taijutsu car déjà l'addition de Kamui avec le Taijutsu se serait juste beaucoup trop dangereux pour Itachi, mais aussi pour plusieurs choses. Déjà, la résistance de Obito est juste abusée grâce aux cellules de Hashirama, le mec attend que sans broncher un coup de Sugetsu avec Kurikiri Bocho ou encore se prend un Rasengan de Naruto KSM-1 et ça ne lui fait quasiment rien. Et même par je ne sais quel miracle, Itachi arrive à blesser Obito. Obito possède une capacité de régénération juste incroyable et aussi grâce aux cellules de Hashirama, Obito possède une force brute démesurée, même crainte. Par Naruto KSM. Ouais, totalement. D'ailleurs, quand Naruto affronte Obito et se prend un coup du Gunbai, l'éventail des Uchiwa, il dit bien que la force d'Obito est juste incroyable et qu'il vaut mieux pas se faire toucher plusieurs fois. Du coup le dernier truc dont on peut parler c'est le genjutsu. Alors perso je vais pas te mentir mais je vois pas trop comment l'un ou l'autre pourrait tomber dans le genjutsu adverse. Je veux dire c'est tous les deux des monstres sur ce point là, Hitashi la Tsukuyomi et le genjutsu d'Obito est carrément comparé au Koto Hamatsukami de Shisui par la Mizukage. Donc même si ça arrive je suis même pas certain que ce serait un élément décisif du combat. T'en penses quoi toi Ouais franchement moi je suis totalement d'accord avec toi car tout simplement ce sont deux uchiwa de plus extrêmement intelligents donc ils savent tous deux que leur adversaire possède le mangeku Sharingan donc cela serait juste inutile pour chacun de lancer genre un simple genjutsu. Ouais au pire je vois bien un scénario où il ferait un round d'observation à base de genjutsu avant de se lancer dans un vrai face à face un peu comme dans le combat Sasuke versus Itachi ou Kakashi versus Obito tu vois. Ok je pense qu'en vrai on a été assez complet du coup je te propose de passer au combat mais juste avant je pense que c'est assez important de préciser qu'en termes de connaissance des capacités de l'adversaire, Obito il a clairement l'avantage. A priori, il connaît toutes les capacités du Mangekyou d'Itachi, là où en principe, Itachi connaît pas celle d'Obito. Oui, effectivement, Obito connaît toutes les capacités de Itachi, contrairement à Itachi, car celui-ci a essayé de tuer Obito avec la Materasu, alors que Obito possédait Kamui. Et en plus de cela, Obito est l'élève de Madara qui connaît absolument par cœur le monde Shinobi et en plus de ça, on peut ajouter Zetsu noir. Ouais, tout à fait, Madara lui a enseigné les secrets de Linton, du Yoto de lignoton, donc a priori niveau connaissance des applications du chakra obito c'est un crack absolu du coup toi comment tu verrais le combat se dérouler personnellement moi comme itachi verrait que son adversaire possède un mangekyou sharingan il ne perdrait pas de temps avec de faibles attaques vu que en plus il sait lui même qu'il possède une quantité de chakra assez limitée. donc il doit vite conclure le combat itachi lancerait directement les hostilités avec un amaterasu ce que obito contrerait très vite avec kamui voyant que même son amaterasu ne fonctionne pas il déciderait d'activer son sous-anneau pour tenter de le sceller mais avant même que son sous-anneau soit complet Soit Obito apparaîtra directement dans le Susanoo, soit directement en le traversant avec Kamui. Et Itachi aurait un champ d'action très limité, sachant que Obito est plus fort que lui en Taijutsu. Il l'absorberait dans Kamui ou alors le finirait au Taijutsu, sachant que Itachi avait déjà usé une grande partie de son chakra. Ouais, je te rejoins totalement. Et même si Itachi décide d'attaquer d'abord avec son Katon ou son Shurikenjutsu, finalement ça ferait que retarder l'échéance. Et t'as raison, au final il serait obligé de claquer le Susanoo pour tenter de surprendre Obito avec Totsuka, potentiellement en faisant diversion avec une bombe fumigène et ou un clone explosif, mais le problème c'est qu'Obito il pourrait largement réagir à l'explosion du clone, comme il l'a fait au début du combat contre Konan en absorbant les explosions par exemple, et après ça si Itachi arrive pas à l'attaquer pendant qu'il est tangible, en vrai c'est finito. Et on n'a pas parlé de Yata, mais là encore malheureusement ce serait inefficace contre Kamui, d'autant que Yata protège seulement Itachi de face. Du coup je vais pas vous mentir, mais je vois Obito l'emporter dans la majorité des scénarios avec un niveau de difficulté moyen contre Itachi vivant. Parce qu'en vrai on va pas se mentir, mais même si les deux Shinobi sont dans un tiers comparable en termes de puissance, Obito est juste un très mauvais match-up pour Itachi. Pour toi ce serait quoi le, le résultat Bah ouais si on se réfère juste à la puissance scénaristique, il serait globalement du même tiers, mais juste un énorme match-up pour Itachi et selon moi, Obito l'emporterait dans 100% des cas avec un niveau de difficulté moyen à faible. Ok ok. En vrai, si vous pensez qu'Itachi peut gagner, dites-nous en commentaire quelles conditions de victoire il aurait selon vous, parce que je vous avoue que de notre côté, on a beau chercher, c'est vraiment difficile de donner l'avantage à Itachi dans le match-up. Et encore une fois, les deux Shinobi sont d'une puissance comparable, mais vraiment les capacités d'Obito sont juste trop efficaces face à celles d'Itachi. Du coup voilà, victoire d'Obito sur ce round, et maintenant qu'on a vu ce premier combat hypothétique, on passe au round suivant. Bon, ce round risque d'aller un peu plus vite Vu qu'on a déjà dit le plus gros dans la première partie Oui, contrairement à ce que l'on pense Et ce que la majorité des fans de Itachi pensent Par exemple, en termes de capacité Itachi, Edo Tensei Et Itachi vivant ont quasiment les mêmes Car même s'il n'est plus affecté par la maladie Il garde toujours les mêmes capacités physiques Et en plus de cela Même s'il n'est plus malade, il a toujours été Sous-entendu que même sans sa maladie Les réserves de chakra de Hitachi Ne sont pas énormes et qu'en Edo Tensei Il ne pourra pas se pas mêler technique car les Edo n'ont pas un chakra illimité. Ouais, exact, les Edo Tensei n'ont pas un chakra illimité, ça c'est une hyperbole des fans suite à une déclaration de Madara, les Edo ils ont juste une régénération extrêmement rapide de leurs réserves de base, exactement comme leur régénération physique en fait, mais la quantité de chakra de base qu'ils ont n'est pas infinie. Sinon pourquoi Tobirama ne pourrait faire que deux clones en maintenant le cube au face écarlate, pourquoi Minato se dirait à court de chakra après avoir téléporté l'alliance, ou encore pourquoi le deuxième e Mu ne pourrait plus faire de Jinton après avoir utilisé la division cellulaire, ça n'aurait pas de sens. Ouais, effectivement, ça n'a pas trop de sens. Mais bon, cependant, grâce au fait que Itachi n'est plus affecté par la maladie, Itachi est nettement plus fort. Et par exemple, il n'est plus aveugle ou ne devra pas prendre une pause entre chaque technique de Mangekyu Sharingan. Et cette idée est révélatrice car Itachi vivant est stade comme étant moins fort que Sasuke éternel Mangekyu Sharingan. Pourtant, pendant le combat contre Kabuto, il est montré un cran au-dessus de Sasuke en le protégeant à chaque fois et étant le seul à pouvoir rivaliser avec Kabuto. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est assez logique hein, quand on y pense, puisque finalement, les Dotensei compensent le désavantage du Mangekyo classique sur le Mangekyo Sharingan éternel, à savoir le coût en chakra et les dégâts physiques sur l'utilisateur. Bon, maintenant, pour le cas d'Obito, c'est clairement une autre histoire. On l'a dit, il reçoit une fat quantité de chakra avec son Rinnegan, et ça, ça lui permet par exemple de balancer des Katon d'une taille comparable à ceux de Madara, de contrôler Sijin Shuriki, de spammer les Jutsu, bref, c'est un peu n'importe quoi. Et pour rappel, Obito peut bien utiliser le pouvoir du Rinnegan hein. Certes, quand il contrôle les Jinchuriki, il ne le fait pas pour économiser son chakra, mais il en reste capable. La preuve, il dit à Kabuto qu'il veut utiliser Ningendo, on le voit invoquer le Geno Mazo, et on le voit même faire un Rinne Tensei, donc bon, ça me paraît assez clair. Ouais, effectivement, Obito n'a pas utilisé tous les pouvoirs du Ringen, parce que contrôler les démons à queue tout en utilisant les pouvoirs du Ringen était vraiment énergivore en chakra. Et on le voyait bien que Kamui compensait largement ce manque. Ou encore, comme le dit Gai, comme il connaissait déjà les pouvoirs du Ringen, il aurait été facile de les contrer. Donc voilà, Obito possède bien tous les pouvoirs du Ringan, et même il est dit dans le Tadabu que celui-ci maîtrise les invocations du Ringan. Ouais, voilà, donc finalement on ajoute à ça son Kamui, sa vitesse et son temps de réaction de Fou Furieux dont on parlait juste avant, et on a juste une version bien supérieure d'Obito par rapport à la précédente. Pour ce qui est du combat en lui-même, bon, déjà on est d'accord qu'on donne pas les Jinchuriki à Obito sinon c'est pas drôle. Ouais, clairement, parce que déjà on a vu que la version précédente de Obito était déjà plus forte que Itachi, The cat sat on the Et là, Obito reçoit un boost encore plus grand que celui de Hitachi. Alors lui rajouter les démons à queue, vraiment, ça serait pas du tout intéressant. Ouais, je suis d'accord. Du coup, tu penses qu'Obito pourrait prendre Hitachi de vitesse avec Kamui, par exemple Alors, je trouve quand même que Obito aurait assez peu de chances de le faire. Le seul moyen pour Obito serait de le prendre par surprise pendant que ses invocations occupent Hitachi. Mais le prendre de vitesse en frontal est vraiment quasiment impossible pour Obito. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est peu probable. Vu qu'Itachi, il réagit quand même à la transmigration. Inorganique de Kabuto mode ermite, alors que même Sasuke Mangekyo Sharingan éternel n'a pas le temps d'activer son Susano. Et pourtant, je rappelle que ce Sasuke, il est quand même comparé à Naruto KCM et KCM2 en vitesse et en temps de réaction. Oui, effectivement, cependant, grâce au pouvoir du Ringan, ou même essayer de le prendre par surprise et le mettre dans Kamui, Obito aurait énormément de conditions de win comparé à Itachi qui n'en a juste aucune. Amaterasu, les arcanes lunaires, le Susano, c'est déjà mort. Mais si en plus de cela, on ajoute un Ringan à Obito, il pourrait même absorber Amaterasu pour regagner du chakra. Ouais, si on part du principe qu'il contrôle plus les bijoux et qu'il peut donc utiliser tous les pouvoirs du Rinnegan, ça peut, ça peut carrément être une option, j'avoue. Et pareil, je précise tout de suite mais Izanami c'est clairement mort, hein. parce qu'on sait qu'il faut mettre son adversaire dans une boucle, et je vois vraiment pas dans quel monde Hitachi y arrive, sans l'aide de Sasuke par exemple, comme contre Kabuto. Et comme t'as dit, Obito il a juste beaucoup trop de conditions de victoire. On pourrait aussi parler de son Mokuton, de son Gunbai pour envoyer les jutsu d'Itachi s'il le veut, vu que ça repousse quand même un mini orbe des démons à queue, enfin bref, cet Obito il est juste suréquipé. Bon, sans trop de surprise, moi je vois Obito l'emporter sans trop de difficulté dans la quasi-totalité des scénarios. Et en vrai, que ce soit sur ce round ou sur celui d'avant, on l'a déjà dit, mais Obito c'est vraiment le pire match-up pour Itachi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours mis Obito devant Itachi dans mon classement de la Katsuki, parce que dans sa forme masque orange, ils sont environ du même tiers, mais Obito gagne le match-up, et dans sa forme masque blanc, il est juste trop loin, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais moi je le vois carrément plus proche d'Edo Madara en termes de puissance que d'Edo Itachi. Ouais exactement, je suis totalement d'accord avec toi sur le plan scénaristique. Obito est montré comme étant le personnage le plus proche de Hashirama et de Madara, avec plusieurs planches qui nous mettent la puissance de Madara et Obito sur un pied d'égalité. Et même quand Naruto débloque le KCM2, il n'est pas du tout impressionné et dit juste qu'il va devoir être un peu plus sérieux. Donc là Obito pour moi gagnerait dans 100% des cas avec un niveau de difficulté faible ou même sans difficulté. OK, OK. D'ailleurs pour rebondir ce que tu disais par rapport à Naruto KCM2, ça prouve bien que Obito masque blanc est pas du tout impressionné par cette version du perso. Alors même qu'on le disait plus tôt, Minato avait prévu ce mode exprès pour le vaincre. Donc ça appuie encore l'idée d'un Obito masque blanc bien plus puissant que sa version masque orange. Enfin bon, je pense qu'on a été assez complet. Du coup, Poto Nickel, franchement merci à toi d'avoir participé et et en tout cas, on remet ça quand tu veux. Bah franchement, merci mec, c'était vraiment un plaisir de tourner cette vidéo avec toi. Et franchement, hâte qu'on fasse de prochaines vidéos ensemble. Ouais, la même mec, avec plaisir. Voilà les potos, on a fait le tour de ce nouveau combat fictif, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir et ça me soutiendrait de ouf. Dites-nous en commentaire qui dit ou Obito remporterait pour vous les deux rounds, je suis comme toujours très curieux d'avoir vos avis. Pensez également à vous abonner à la chaîne de Manga FR, on est loin d'être d'accord sur tout, mais il sait de quoi il parle et tous ses avis sont argumentés à l'aide d'éléments du manga et finalement c'est ça le plus important. Je vous mets le lien en description avec mon Twitter et mon Discord que je vous invite bien sûr aussi à rejoindre si c'est pas déjà fait. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée et à vous dire à plus sur Contre Culture. Peace.